vous êtes à la recherche d'un grillage de qualité pour pouvoir peut-être clôturer un poulailler ou tout simplement fermer le tour de votre jardin pour éviter que des animaux tels que les lapins, les chats ainsi que les poules sortent de votre jardin. Alors ça tombe bien car dans cette vidéo, on va voir les 3 meilleurs grillages à poules. Parfait si vous voulez grillager le tour d'un poulailler ou si vous avez des lapins. Bref, suivant votre projet, vous aurez le choix entre différents diamètres, différentes longueurs et hauteurs de grillage. Comme d'habitude, si vous souhaitez en savoir plus, vous retrouverez tous les liens en description. Et aussi, je précise que j'ai classé ce top 3 dans l'ordre décroissant en fonction du prix, c'est-à-dire du plus élevé au prix le moins élevé. Donc sans plus attendre, on va commencer avec le premier. C'est le Amagabelli. On a là une clôture en forme de rectangle avec des mailles de 10 cm de large. Pour faire simple, cette clôture fait 1 mètre de haut et vous aurez avec un rouleau de 20 mètres. Il s'agit d'un grillage qui a été plastifié en PVC vert pour une meilleure durabilité, pour ne pas qu'il rouille et pour que ça soit plus joli esthétiquement. Ça restera donc très facile à poser. Il vous suffira de mettre des piquets et ensuite donc vous allez pouvoir attacher le grillage à ces piquets. Soit si vous avez le budget, en mettant des tendeurs pour que l'ensemble soit bien tendu. Donc ce grillage sera parfait pour les petits animaux. D'après les avis clients, il s'agit d'un bon produit de qualité qui est livré rapidement. Le deuxième, il s'agit de la même marque, mais celui-là fera 75 cm de haut pour 25 mètres de long. Et vous l'aurez remarqué, les mailles sont beaucoup plus petites pour seulement environ 25 mm. Donc celui-là sera parfait si vous avez des poules chez vous ou si vous souhaitez faire un poulailler avec. On a un grillage de haute qualité et robuste. Vous allez pouvoir l'installer facilement car il n'est pas complètement rigide. Il reste assez souple. La finition est en PVC pour améliorer la durabilité de l'espérance de vie. Le grillage a été protégé avant en fait en le galvanisant qui permettra qu'il ne rouille pas. Donc ça reste un grillage qui est léger et facile à installer. Pour ce qui est des avis clients, il s'agit d'un grillage avec une pose facile qui semble de bonne qualité à voir dans le temps, qui est très utile pour faire un enclos à poules. Et donc ce qu'on retiendra, c'est que c'est un grillage de bonne qualité. Et le dernier, qui est encore la même marque, Amagabelli, celui-ci ne fera pas 0,75 cm, mais 1 mètre de haut pour 25 mètres de long. On retrouve un petit peu le même style qu'on vient de voir, sauf que celui-là n'aura pas eu un traitement PVC sur le grillage. Cependant, il a été galvanisé pour qu'il permette donc une meilleure durabilité et ne rouille pas dans le temps. Chacune des mailles fait environ 25 mm de large. Parfait donc si vous avez des poules, des lapins ou si vous souhaitez protéger votre jardin de divers prédateurs. Ça reste assez facile à installer étant donné qu'il est léger et souple. Donc on a un bon produit facile à mettre en place qui est conforme à la description avec un très bon rapport qualité-prix. Si vous souhaitez en savoir plus, comme d'habitude, vous retrouverez tous les liens en description. Ça vous évitera aussi d'avoir à rechercher par vous-même. Et si vous avez été jusqu'au bout de la vidéo, c'est peut-être que la vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un gros pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Pensez à vous abonner pour découvrir de nouveaux produits. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao !